On est là pour rencontrer les étudiants et potentiellement recruter des jeunes diplômés en droit et en comptabilité. Mais on est là pour faire la promotion de la première classe préparatoire aux grandes écoles de management et de commerce au Luxembourg. C'est de rencontrer les collègues, de rencontrer les futurs employeurs possibles pour nos étudiants. Je suis venu ici pour voir s'il y a des domaines qui m'intéressent. C'est pour voir déjà différentes entreprises présentes, pour avoir un aperçu des formations qui sont proposées et pour laisser l'orientation dans la vie. Alors on espère rencontrer quand même pas mal d'étudiants qui sont en recherche de formation en France. Parce que là on est directement au contact des grandes écoles et même des entreprises, donc je pense que ça peut déjà nous donner des idées sur ce qu'on veut faire plus tard. Alors on souhaite rencontrer des personnes intéressantes, des profils intéressants, voilà. Voir quelles écoles pouvaient répondre à nos attentes. Enfin, nous trois, on aimerait faire du commerce, du management. On aimerait voir s'il y a des écoles qui peuvent nous conseiller, voir quels sont leurs projets en quelque sorte et nous dire ce qui est intéressant. Alors mes attentes de la journée, c'est de rencontrer quand même différents profils pour discuter avec eux de leur futur, de les conseiller un petit peu, de voir vers quoi ils vont et peut-être trouver des profils qui rejoindront notre société par la suite. Cette journée, c'est une journée très importante, ça fait partie des événements phares de l'Institut français. Donc on organise cette journée pour plusieurs objectifs en fait. Les objectifs donc d'abord de renforcer les échanges entre la France et le Luxembourg. Alors il y a des échanges bien sûr de formation au niveau des formations, donc des échanges des universitaires entre elles, puisqu'ici il y a les universités françaises mais il y a aussi l'université de Luxembourg, il y a les écoles de Luxembourg qui participent. Donc déjà des échanges au niveau de la coopération universitaire. Également des échanges économiques, puisque donc un de nos objectifs eh bien, c'est de donner un impact économique à nos actions de coopération universitaire, puisqu'en fait on a mis en place donc un site de rendez-vous pour que 80 étudiants se soient inscrits, diplômés, jeunes diplômés, moins jeunes, pour rencontrer des entreprises. Donc en fait c'est à la fois renforcer des échanges de coopération universitaire, des échanges économiques, renforcer l'employabilité à Luxembourg, dans les entreprises luxembourgeoises ou françaises, accompagner donc les entreprises dans leur recherche de diplômés et puis essayer de trouver eh bien, le moyen, le modus vivendi pour que les formations soient adaptées à la demande des employeurs ici, à la demande du marché local. Le représentant de la Chambre de commerce qui nous a fait la gentillesse de nous dire déjà qu'il serait ravi donc, de renouveler l'opération ici à la Chambre de commerce l'année prochaine. Merci beaucoup. C'est très important d'avoir ce salon qui réunit dans un même endroit les entreprises et les universités. Ça permet aux jeunes véritablement de pouvoir choisir leur avenir. Et c'est pour ça que cette initiative étant lancée par Campus France et l'Institut français, j'ai aussi souhaité la soutenir parce que l'orientation, c'est véritablement l'avenir de la jeunesse et de pouvoir donner aux jeunes Français qui habitent à l'étranger, notamment ici au Luxembourg, les clés de leur avenir. Ça fait partie du service public français et c'est tout à fait notre rôle, en tant qu'élu, aussi d'aider cette initiative.